Bonjour Samuel. Bonjour Frère Dagui. Chef chantier, vous qui êtes à la base de tous les chantiers du chemin du ciel. Hein, oui. Aujourd'hui, on va parler un peu des différents bâtiments que vous êtes en train de faire. Quel est le point aujourd'hui? C'est fini? On est en phase d'achèvement ou il reste encore quelque chose à faire encore? C'est que si on est en phase d'achèvement, oui. Mais franchement, c'est que maintenant même, c'est que c'est vraiment dur. C'est maintenant parce, même les travaux même plus difficiles. Oui, parce que actuellement, chaque jour, c'est des millions qui sortent. Oui, oui. Chaque jour, c'est des millions qui sortent. Parce que les finitions des travaux, c'est ça qui demande l'argent. Beaucoup d'argent. Oui. Donc, chaque jour que Dieu fait, il faut que papa décaisse des millions. Parce qu'il y a le carrelage, en même temps il y a le plombier, en même temps il y a l'électricien, en même temps il y a le staffeur. Et puis c'est tout ça, ils travaillent le même jour. Il oui. Il faut pas privilégier un pour les six, il faut et tous. Tous les gérer. Ouais. Donc puis, construire un bâtiment, c'est pas facile. Hein. Construire un bâtiment à l'air là, si tu vois quelqu'un qui construit un bâtiment à l'air là, vraiment faut lui tirer chapeau. Et là, on parce voit que ici au chemin du ciel, ce n'est pas un bâtiment que vous êtes en train de construire. Non, 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 c'est deux bâtiments en train de faire. Deux en même temps. Oui. Parce que l'ancien bâtiment s'est ajouté avec le nouveau bâtiment. Donc, c'est les deux bâtiments qu'on entend de travailler sur les deux actuellement. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, on va dire merci. Oui. Merci à tous ces donateurs. Oui. C'est le sang de Jésus, oui, le parfum Saint-Michel qu'on envoie régulièrement, oui, qui ont tous les construits sur le bâtiment. Oui, le lait, les civodèmes, la carte de fidélité, oui. Tout ça, c'est ce qui est en train de construire ce bâtiment. Ce bâtiment. Je dirais, c'est double bâtiment. C'est double bâtiment. Ça veut dire que c'est deux bâtiments collés qu'on attend de monter à l'air là. Vraiment. Donc, un appel pour ceux encore qui vont envoyer des dons. Vraiment, les merci pour tous ceux qui apportent les dons pour ce travail. Que vraiment, que Dieu de Papa Florian les récompense chacun de ses gestes. Mais franchement, on a beaucoup besoin encore, beaucoup d'aide pour pouvoir finaliser les travaux en décembre. Parce qu'il reste quelques mois hein, oui, pour décembre. Il reste quelques mois pour décembre. Donc, fidèle du ministère Chemin du Ciel, vous êtes appelé à soutenir l'œuvre. C'est vrai, vous avez fait déjà une grande partie, mais il reste encore beaucoup, 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 beaucoup à faire. Donc, on attend encore le sang de Jésus, les parfums Saint-Michel, tout ça pour pouvoir continuer à développer ce ministère. Parce que actuellement les chambres de l'autre côté, les chambres sont déjà bouclées. Mais papa dit qu'il veut faire tout possible pour que les chambres d'ici aussi, il va avoir des chambres pour ceux qui vont arriver. Parce qu'il y aura l'affluence en le 24, oui, les différentes réservations, même voilà, si la maison des autres est occupée. Et puis, il faut loger certaines personnes ici. Il faut qu'on loge d'autres personnes ici. Donc actuellement, c'est si ça, on est dessus. D'accord. Donc vraiment, je remercie tous ceux qui, en train de soutenir l'œuvre, que vraiment Dieu de Papa Florian continue de les assister partout là où ils sont. Mais tout ce qui sème aussi, c'est pas si un mauvais terre. Parce que si tu as semé si une bonne terre, forcément tu vas récolter. Mais là où ils ont semé, c'est une bonne terre. Chacun va récolter ce qu'il a semé d'ici le 24 décembre. D'accord. Donc, merci beaucoup. Oui. Et on sent que vous êtes vraiment, vraiment occupé. Oui. Donc, on va vous laisser aller terminer les travaux et okay, suivre. Que vraiment Dieu te soutienne et t'inspire encore. Merci beaucoup, Frère Dagui.